le maître de la maison, le maître du moulin. Et pour avoir de la farine, elle s'adresse à ses voisins, les paysans. On est limité du temps. Destiné pour les hommes. Pour les femmes, voilà les bottes de tôtre à talons. Il faut dire que la région actuelle, ça c'est la région où on cultive le lin. En quoi était la particularité de ce lin? Cette tige était très très longue. Donc comme ça, on peut éventuellement faire des fils très longs. Alors, au mois de mai, uniquement les hommes sortaient dans le champ, je veux dire, pour semer du lin. Et ensuite, les hommes ne touchaient plus jamais au lin. Ensuite, les tiges pendant 3 semaines ont été mouillées dans l'eau. Ensuite, c'était séché. Et ensuite, on rendait le lin plus mou. Alors, comment on faisait? On prenait, nous disons, ce bouquet des tiges déjà mouillées. Et on faisait comme ça pour les rendre plus souples. Oui. On faisait comme ça. Déjà, quand la fille avait l'âge de 5 ans, elle recevait pour son anniversaire de la part de son papa une quenouille. Et puis elle s'installait ici. Et à la main, elle voilà, tirait du fil. Et le fil a été enroulé ici. Et ensuite, comme vous voyez, il y a 2 rangs. Des fils pairs et des fils impairs. Et comment on tissait? En appuyant tantôt sur une pédale, tantôt sur l'autre. В этот промежуток продевали челнок. Et dans cet espace, on pense, on passait. Oui, donc le fil a été attaché, bien sûr. Et ensuite, 2 fois, on appuyait pour que ça soit sans intervalle. Меняли педали внизу. Ensuite, on changeait la pédale. Ниточки вверху тоже Et alors les fils changeaient de position également, mais il y avait toujours l'intervalle. De l'autre côté, on passait la navette, on appuyait 2 fois. Et c'est comme ça qu'on formait. Conformer une serviette ou un papier ou un tissu tout simplement ou un drap. Et pour distraire les enfants, les parents fabriquaient nous les poupées comme ça en paille. Скородумка.
Non, et les enfants, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces poupées? À la maison, ils coupaient pour faire une jupe. Mettaient une poupée sur la table. Et ensuite, ils frappaient comme ça par les poings. Et la poupée dansait. Et ils chantaient avec. Donc, vous voyez, on ne peut pas les séparer. Parce que le mari et la femme ont une seule main. Et cette main unique qui les réunit ensemble est symbolique. Donc ça veut dire que la famille reste toujours inséparable. Après le mariage, cette poupée décorait toujours l'intérieur de la maison d'un jeune ménage. Et quand les enfants apparaissaient, voilà, on ajoutait des petites poupées. Le fils était toujours du côté du père, la fille était toujours du côté de la mère. Et comme ça, c'est une bonne version de la photo actuelle, la photo de famille. Et il faut dire que dans cette ville, jusqu'à présent, on respecte cette tradition.